rentrer le détail des mesures, j'insiste vraiment sur le délai. Ces dispositions sont applicables 15 jours. Donc, tout suivant est donné régulièrement. On fait le point régulièrement avec les autorités locales, avec les maires de l'agglomération, pour apprécier l'évolution des choses. Donc ce n'est pas... on peut varier. 15 jours d'application. Donc, comme le disait le préfet à l'instant, je vais vous présenter les mesures qui entreront en vigueur à partir de demain matin, samedi, et pour une durée de 15 jours. Donc, on a deux types de mesures. D'une part, une reconduction ou un renforcement des mesures qui étaient en vigueur jusqu'à présent, et d'autre part, des nouvelles mesures qui répondent pour l'essentiel aux mesures socles qui nous sont proposées par le gouvernement en cas de passage en zone d'alerte renforcée. Alors, au-delà du port du masque, etc., qui reste applicable dans les mêmes périmètres, vous le savez, donc, la fermeture des bars va être avancée à 22h dans un certain nombre de communes de la métropole de Dijon. Ces communes sont celles où le port du masque est obligatoire. Donc, je vous les cite: Dijon, Chenaux, Talant, Longwy, Quetigny, Fontaine-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Ailly, Chevigny-Saint-Sauveur. Dans l'ensemble de ces communes, sur l'ensemble de leur territoire, les bars devront fermer à partir de samedi à 22h. Corrélativement, les restaurants qui sont situés sur ces communes devront cesser à partir de 22h de ne servir que de l'alcool. Donc un client qui se rendrait dans un restaurant après 22h sur ces communes pour consommer de l'alcool devrait systématiquement consommer un menu, un repas, être attablé. S'agissant des activités sportives maintenant, la pratique des activités sportives est interdite dans les établissements recevant du public couverts, ainsi que dans les salles de sport privées et les salles de sport publiques, à l'exception, s'agissant des salles de sport publiques, de la pratique scolaire, parascolaire, universitaire, des sportifs professionnels et de haut niveau, des formations continues, de ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, le sport médical, et bien entendu, de la pratique des activités sportives, physiques et sportives de plein air. Et donc, par exception à cette règle, les piscines restent ouvertes, à condition toutefois de fermer les vestiaires collectifs. S'agissant des rassemblements maintenant, les rassemblements de plus de 10 personnes sont, sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, sont interdits dans l'ensemble des communes de la métropole de Dijon que j'ai citées à l'instant, dans les 9 communes. À l'exception toutefois des manifestations en lien avec les cultes, des manifestations revendicatives lorsqu'elles sont déclarées, et d'un certain nombre d'activités qui vous seront listées dans l'arrêté. Une autre mesure phare maintenant s'agissant des rassemblements, une mesure importante, c'est l'abaissement de la jauge des rassemblements de grande ampleur de 5000 personnes à 1000 personnes. Jusqu'à ce jour, les rassemblements pouvaient accueillir simultanément 5000 personnes en incluant le personnel d'organisation. À partir de maintenant, la jauge sera fixée à maxima à 1000 personnes hors personnel d'organisation. Donc ça, cette disposition s'applique dans l'ensemble du département de la Côte d'Or. S'agissant des rassemblements festifs et familiaux, là aussi, pour l'ensemble des communes du département de la Côte d'Or, ils sont interdits dans tous les établissements recevant du public. Par conséquent, il n'est plus possible de louer une salle polyvalente ou un restaurant pour organiser un mariage ou un repas de baptême, par exemple. Donc, sans préjudice de ces dispositions, naturellement, comme c'était le cas actuellement, la possibilité, donc, il demeure loisible aux professionnels, aux responsables des associations et aux présidents des assemblées délibérantes de réunir leurs assemblées sous réserve de respecter les gestes barrières et de faciliter, le cas échéant, les opérations de contact tracing en ayant à disposition la liste des personnes participantes. Et puis, dernier point, sur les établissements d'enseignement supérieur. Donc un rappel, même si le calendrier ne s'y prête plus tout à fait, les événements d'intégration sont interdits dans l'ensemble du département. Et point important et point nouveau, la capacité maximale d'accueil des établissements d'enseignement supérieur est réduite de moitié dans les salles de cours, les salles de travail et les salles de restauration. Par conséquent, un amphithéâtre de 320 personnes ne pourra plus désormais accueillir que 150 étudiants. Voilà, Monsieur le Préfet, pour la présentation des mesures. Merci beaucoup, David.